Wait. So what can I say to you? But I'm off day, had to fall back. You got everybody thinking I'm all bad. We know the truth. I was always holding you down. Bon les gars, je sors de la douche, je me suis habillée, j'ai déjà mis mon jeans, mais j'ai pas encore mis l'eau dessus, j'allais mettre parce que je dois donner le bain à la petite. Si je le mets, je serais mouillée, ça sert à rien. Donc là, je vais coller ma pépée, mettre un peu d'huile sur les mèches. Je sais que ce bouc vont pas tenir, je vais ça pour coller mes wigs, mais ça ne change pas, j'aime trop. Bon, au final, j'ai tout lissé parce que c'est vrai que le bouc n'allait pas tenir et j'aime pas ce côté ni lisse ni bouclé. J'ai fini de l'apprêter moi, je vais prendre ma fille, l'apprêter également. On va prendre le bain? Oui. On va mettre la même couleur de jeans, même couleur de haut. Et nos Air Force, tu vas matcher avec moi, matcher avec maman. Regardez-moi ce petit jeans de chez Petit Bateau. C'est trop cute. Oh, elle est trop bien habillée, hein. Bon, les gars, là, je suis en train de chauffer la nourriture de ma fille, parce qu'elle va manger. Ensuite, je vais m'apprêter parce que j'ai déjà mis mon pull blanc. Je vais me maquiller un peu. Genre sourcils, anti-cerne, blush, bronzer. Bon les gars, je vais faire un petit maquillage. Je commence à être pressée là, donc ça me saoule. Je vais vite me maquiller. Un maquillage très simple. Et ensuite je prends la route parce que je serai en retard sinon. Je vous mets en accéléré. Au moins que je me maquille en vite fait. Ok? Les gars, j'ai terminé mon maquillage. Franchement, je suis pas fan de ma tête aujourd'hui. Je vais mettre une casquette, je pense. Et j'ai pas fait mes lèvres parce que j'ai un bouton de fièvre en fait qui est en train de guérir. Donc si je mets du labello ou bien du crayon, ben, ça risque d'infecter mes produits déjà et de s'infecter aussi. Donc voilà, c'est parti. Bon les gars, là je suis dans la voiture. Je vais aller au docks rejoindre ma grande soeur et mon grand frère. Programme du jour, on va aller percer la petite chez Histoire d'Or. Ensuite, on va bruncher avec entre frères et sœurs. Cette semaine, il y a quand même pas mal de choses que je vais faire et la semaine prochaine. Donc, je vais essayer de filmer au max et d'accumuler tous ces jours-là pour en faire un vlog. Parce qu'en fait, j'ai même pas fait d'introduction de ce vlog. Donc, bonjour les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un daily vlog ou bien quelques jours dans ma vie. Je sais pas encore trop ce que je veux vlogger, ce que je vloguerai pas. Mais voilà, en gros, vous savez plus ou moins ce qu'on va faire, quel est le programme du jour, etc. Ça tombe bien que tu m'en parles, au cœur j'entame une petite histoire, je suis KO. Bon les gars, je suis arrivée au docks, je suis avec mon grand frère.
Nos deux poussettes là. Bon les gars, là on est à Afro-Bowl, on va manger, on va tester. C'est la première fois qu'on vient manger ici. Ma soeur entre temps est arrivée également. Et voilà, je vous tiens informée. J'ai oublié de prendre ma deuxième batterie à la maison, comme une bête. Mais au pire, je bloguerai avec mon téléphone, c'est pas grave. Bon les gars, là je suis sur le chemin pour aller chez la coiffeuse pour récupérer ma perruque. En vrai de vrai, j'ai pas beaucoup vlogué, je me rends compte parce que j'ai profité du temps avec ma soeur et mon frère. Et vu qu'on avait nos enfants, ben nous on est trop contre le fait d'afficher nos enfants. Donc c'est un peu compliqué de vlogger, sachant que les enfants ils étaient d'office là avec nous, etc. Mais tout s'est bien passé, la petite elle s'est fait percer les oreilles, je suis trop contente. Elle a un peu pleuré, mais elle a très vite oublié, donc je pense que ça va très bien se passer pour elle. J'espère juste qu'elle va pas perdre les vis, parce que voilà, si ça se perd, ben, il faut recommencer, c'est pas trop cool. Mais donc voilà, je récupère ma perruque, je rentre à la maison et je pense qu'on va se reprendre quand j'arrive à la maison parce qu'en vrai de vrai, ma journée elle est terminée. Elle était assez longue, mais voilà, c'est la fin déjà. Donc voilà, je me concentre sur la route. Bisous. Bon, je vais vous faire une petite skincare. Ok. Donc, je prends. Déjà, je laisse couler un peu l'eau parce que j'aime bien utiliser l'eau chaude en fait. J'ai pris l'huile. Nettoyant, allez, démaquillant plutôt. Je rince mon visage. Je rince mon visage. Maintenant, je prends la crème moussante nettoyante. C'est une crème qui va venir mousser en fait. Ça mousse. Et c'est parfait. Je retire à chaque fois mes bijoux quand je rentre à la maison parce que j'arrive pas à dormir avec ma bague. Parce que depuis que j'ai accouché, je sais pas si je l'ai dit, mais mes doigts ils ont gonflé. Et si je dors avec, ben, le matin, je vois hyper mal, ça va être hyper gros. Donc avant de dormir, je le retire à chaque fois. Je prends la crème. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est une crème. C'est une crème que tu peux mettre matin, également le soir. Voilà. Bon les gars, là je suis dans la voiture, on se retrouve 1000 ans plus tard, c'est vraiment pas de ma faute. En fait j'ai été malade, donc mon bouton de fièvre est revenu, il était parti, j'allais beaucoup mieux, mon angine était partie. Mais là mon bouton de fièvre est à nouveau là, mère nature est venue me faire coucou également, angine, tout. C'était vraiment compliqué quoi, donc j'ai vraiment pas vlogué, je suis vraiment désolée, mais je devais vraiment prendre soin de moi ainsi que de la petite. Et vu que j'étais malade et pas bien, ça me prenait énormément d'énergie. Là j'ai encore un peu une angine, mais ça va beaucoup mieux que le jour précédent. Et ça me fout la rage parce que mon bouton de fièvre, j'espère que d'ici demain il va partir, parce que là j'ai mis un produit, ça fait plusieurs jours que je le mets déjà, qui va l'assécher, qui va me permettre en fait demain quand je vais me maquiller, que j'aurais fermé les lèvres, parce que sinon je vais devoir un peu tricher. Bref, aujourd'hui les gars, je vais aller faire mes ongles parce qu'on va pas aller à l'événement avec des ongles comme ça. Je vais aller faire mes ongles, mais j'ai pas eu le temps de manger, donc là il est 9h41, je dois prendre la route parce que mon rendez-vous est à 10h30, mais là où j'habite il y a toujours des embouteillages, donc je préfère toujours quitter beaucoup plus tôt pour être sûre que j'arrive à temps à mes rendez-vous. J'ai été me prendre un petit sandwich chez Bonap. Je vais prendre la route. On se retrouve dès que j'arrive chez ma Nail Tech. Je sais vraiment pas ce que je vais faire aussi comme modèle, c'est ça aussi. Mais de toute façon, déjà que j'arrive sur place, ensuite le reste on verra. Donc voilà, let's go! Bon les gars, je viens d'arriver, je suis en avance. Mon rendez-vous est à 10h30, il est 10h19. Je vais quand même l'envoyer un message pour dire que je suis là parce que parfois elle termine beaucoup plus tôt les clients. Avant
Et si c'est le cas, ben, je pourrais déjà rentrer. Par contre, je ne sais pas trop quel modèle je vais faire. Je vous montre, j'hésite entre deux modèles. Mais je n'ai aucune idée de quel je vais faire. D'office une French carrée, d'accord? Une French carrée parce que c'est la forme que j'aime trop, carrée. Donc soit j'ai fait une French comme ça. Voilà, un peu genre effet léopard et tout. Soit je fais une French carré, toujours pas ovale, parce que ovale ça va pas, j'ai des gros doigts en fait. Soit je fais une French comme ça, rouge avec des cerises. C'est pas vraiment du rouge, c'est un bordeaux en fait, c'est un bordeaux avec des cerises. Si pas ça, je ne sais pas. Je sais pas si je l'ai dit dans le vlog, mais demain, ce soir je vais à Paris parce que demain j'ai un événement de Sol de Janeiro. S'il vous plaît. Bref. Je vais y aller à mon rendez-vous à la revendue et on se dit à tantôt. Je vous ramène avec moi de toute façon. Je vais prendre mon trépied aussi. Comme ça, je serai un peu filmée parce que j'ai l'impression que ce vlog il est vite. Mais comme j'ai dit, j'étais malade et je suis toujours malade. Hein. Regarde, je suis toujours malade. J'ai mon médicament, j'ai mes trucs pour la gorge. Je suis vraiment malade, d'accord. Bon, je m'en vais, les gars. Mais regardez mes ongles, j'aime trop. Regardez ça. De toute façon, je mettrai des images. Elle a trop d'être ça. Franchement, c'est trop beau. Je suis trop fan. Elle a terminé à une bonne heure. Il est midi là. J'ai encore le temps de rentrer chez moi. Donc, parce que je voulais directement partir prendre la petite pour aller déjà chez ma soeur. Parce que je récupère la petite pour la déposer chez ma soeur. Et ensuite de là, je prendrai le train pour aller à la gare du midi, Bruxelles midi, pour prendre mon Eurostar pour la France. Il est midi 10, comme vous pouvez le voir. Donc là maintenant, je vais juste prendre la route et on se retrouve à la maison. Je vais me reposer et quand je serai chez ma soeur, peut-être que je vais vous reprendre. Sinon, je vous reprends uniquement quand je serai déjà sur le chemin pour aller prendre mon Eurostar. Devant tout le monde, mais je pense que de nos jours c'est normal de vlogger. On me voit qui vient me récupérer à la gare, donc voilà. Bon, les gars, on se retrouve dans la voiture de ma soeur parce que là, j'ai rendez-vous à 11h au showroom de PLT. Du coup, je vais toute seule, une Belge toute seule sur la route de Paris. J'ai envie de mourir. Bref, hier soir, je suis bien arrivée, tout s'est bien passé. Mon beau-frère est venu me chercher à la gare Paris-Nord. On est venu à la maison. J'ai fait un maquillage en 2-2. J'ai même pas collé de faux cils, anti-cerne, blush, bronzer, highlighter. Voilà, dites-vous, je me suis réveillée il y a une heure, j'ai même pas mangé. Pff, franchement, mais la ceinture là, j'ai même, oh mon dieu. On peut prendre un chemin sans péage s'il vous plaît les gars, j'ai pas le temps de faire des péages. Bon les gars, à toutes. Bon les gars, j'ai pris la route, franchement j'ai trop peur. J'ai trop peur parce que j'ai jamais roulé à Paris, franchement. Toute la fois où j'y viens en France, c'est toujours mon mari qui conduit, ou bien je suis toujours assise à côté de ma soeur, parce que conduire à Paris c'est trop le ghetto.
La seule fois où je conduis étant en France, dans la ville de ma soeur, parce que c'est vraiment une toute petite ville. Oh là là, mais là, franchement, ça va. Là, j'aurais. Je vois qu'ici, j'aurais 9 minutes de retard. Bref, je me concentre sur la route parce qu'elle m'a dit on va faire des accidents. Hein. Parce que si je fais un, dinguerie. Dinguerie, elle va me tuer. Les gars, je suis coincée dans les embouteillages parisiens. J'ai envie de crever parce que du coup j'ai, je pense genre une quinzaine de minutes de retard au showroom PLT. Parce que là ça arrête pas d'augmenter et je sais pas les bouchons ça va durer combien de temps. Mais j'ai trop la rage parce que j'aurais pu quitter beaucoup plus tôt, mais j'étais tellement crevée que j'ai quitté genre tout pile poil, genre une heure en avance. Et voilà, maintenant je dois payer les pots cassés, ça s'arrête pas d'augmenter. J'espère vraiment que je vais pas faire mauvaise impression là-bas parce que c'est la première fois qu'ils vont me voir. Ah, j'ai trop la rage. Mais du coup, je sais pour mon événement de ce soir que je dois quitter au plus tard 18h parce que j'ai envie d'être là-bas à 19h30. Comme ça, je suis sûre que j'ai une marge de 30 minutes et j'irai à l'heure, quoi, tu vois. Donc voilà. La rage, j'ai vraiment la rage. Les gars, comment vous dire que j'ai 30 minutes de retard? Parce que, voilà, les embouteillages, excusez-moi, les embouteillages, le parking. Au final, j'ai garé dans un parking souterrain. J'ai quand même prévenu ma personne de contact chez PLT que j'avais un retard. Mais ça me fout la rage parce qu'habituellement je suis toujours à l'heure. Oh, j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. 30 minutes. Oh, je suis arrivée de retard. Attendez. Bon, je suis arrivée là. Bon, les gars, je vais essayer les articles que j'ai choisis. J'ai pris tout ça. Voilà, j'essaye et je vous montrerai. Il y a ce jeans que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas de bouton. Donc je vais leur demander, mais il est trop beau. Regardez les détails. Mais il n'y a pas de bouton. C'est trop dommage. Les gars, je suis dans la voiture là. En fait, je suis trop dégoûtée parce que du coup, j'étais au showroom PLT. Voilà. Je suis quand même contente d'avoir eu l'opportunité d'aller au showroom. Mais je suis dégoûtée qu'il n'y avait pas ma taille. Donc, j'étais au showroom et tout. J'ai regardé tout ce qui était disposé en fait. C'était que des 38-40, 38-40, 42. Au niveau des chaussures, 36, 37. Des choses comme ça, alors que moi je mets du 34 parfois, mais majoritairement du 36. Et au niveau des chaussures, ben 37,5, 38 depuis que j'ai accouché, MDR, mais puis je veux pas de gonfler. Mais je suis vraiment dégoûtée parce que imaginez, j'aurais fait tout le trajet à Paris uniquement pour le showroom. J'ai été grave déçue en fait d'avoir mis toute mon énergie dans ce trajet. Heureusement que ce soir, j'ai l'événement Sol de Janeiro. Je sais que ça sera trop bien, ça va trop bien se passer parce que je veux aussi rencontrer d'autres créatrices de contenu, etc. Mais là, pour le coup, je suis vraiment dégoûtée. Genre, le jeans bleu que j'aimais bien, le bouton manquait, ben, il n'y avait pas d'autre en fait. Du coup, vu qu'en fait ce soir, mes talons sont argentés, j'ai pris ça. Je ne sais pas trop si je vais les mettre, mais j'ai pris ça. Et j'ai pris un bête de training comme ça là. Bleu, c'est juste pour rester à la maison. En fait, je me suis limite sentie obligée de prendre quelque chose parce que je voulais pas les décevoir en mode j'ai rien trouvé à ma taille et rien qui me va en fait. Ma personne de contact était présente mais elle était occupée avec autre chose. Donc il y avait une autre personne qui s'occupait de moi dans le showroom et je lui ai demandé s'il n'y avait pas de taille. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas, que toutes les tailles étaient exposées
Et je me dis mais il n'y a rien qui me va en fait, il y a tout qui est grand et un nouveau talent c'est petit, les accessoires c'est pas comme s'il y avait blindé, enfin bref, je suis grave dégoûtée. Heureusement que j'ai pas fait ce déplacement uniquement pour PLT et que ce soir j'ai Sol de Janeiro. Bah, du coup là je vais rentrer à la maison parce que ça sert à rien que je reste sur Paris en fait. Je vais mettre l'adresse de ma soeur et je rentre à la maison. Et là vous voyez ça fait je pense 3 jours, vous voyez, avec la casquette parce qu'en fait j'ai la flemme de me coiffer. Mais ce soir j'irai en bombe, maquillage fait à 100%, mes boucles sur ma petite perruque plus courte, j'irai trop belle, vous allez voir. De toute façon je vais filmer pour vous. Mais ouais, je suis grave deg parce que je partais du principe que j'allais quand même trouver des choses, tu vois. Mais non, bref. Au moins j'ai fait l'expérience et je sais qu'à l'avenir quand je vais au showroom je dois pas m'attendre à grande chose en fait. Là je rentre chez ma soeur et je prends la route hein. Bon les gars, c'est le moment de s'apprêter. Il est 17h, je vais refaire tout mon maquillage parce que je vais faire un full face. Je ressemble tellement à rien, je vais me démaquiller. Et je reviendrai vers vous quand j'aurai le visage démaquillé, c'est plus simple. Ok, là j'ai collé ma perruque. Je vais faire mon maquillage, je vous mets en accéléré. Je vais pas tout vous filmer non plus parce que c'est pas intéressant parce que je ne montre pas en détail ce que je fais. C'est juste moi qui suis en train de m'apprêter pour l'événement. Les gars, j'ai terminé de m'apprêter. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ma tenue. Au pire, à l'événement, je vous montrerai si j'ai le temps. Mais là, j'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps. Bon, les gars, je vous montre toute ma tenue. Je mets ce body. C'est un body de chez Primark. Cette veste Zara, jeans Zara. Et je mettrai des escarpins noirs avec mon petit sac doré Coach. Donc voilà, on y va parce que je suis un peu en retard. Bon, les gars, je suis dans la voiture. J'ai déjà mon maquillage, regardez comment je suis un vrai bonbon, regardez comment je suis trop belle, j'aime trop, j'ai trop d'être. Regardez le bouc, comment ils sont incroyables. Je vous avais dit, hein, j'irai toute belle ce soir. Donc là on va partir parce que je commence à être un peu en retard. Et là je vois que ma perruque s'est décollée, je vais vite faire coller ça et puis je prends la route parce que impossible de sortir comme ça en fait. J'arrange ça, puis je prends la route, ok? Let's go. Bon les gars, là j'ai pris la route et franchement je suis trop contente d'aller à cet événement là. J'y vais pas seule, j'y vais avec Lady Nella. Je suis trop contente d'y aller avec elle parce que si je partais pas avec elle, j'allais clairement pas y aller parce que les plus 1 sont pas autorisés. J'ai pas pu prendre ma soeur avec moi et de moi-même j'allais jamais pouvoir y aller parce que je suis trop une personne qui a peur d'aller vers les gens et savoir que je suis avec une personne que je connais, que je suis sur les réseaux sociaux, avec laquelle on a déjà échangé. Mais ça me réchauffe le cœur et ça me donne un peu plus confiance en moi de pouvoir y aller à cet événement là. J'ai 1 heure de route à faire et normalement j'arrive à 19h33. J'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Et on se rejoint là-bas et j'espère que la soirée va très bien se passer, qu'on va beaucoup s'amuser et que l'événement va aussi très bien se passer quoi. Donc je vous laisse les gars, à toutes. Bon les gars, vous me voyez pas très bien mais je viens d'arriver, j'ai parqué la voiture. J'ai trouvé une place en extérieur donc c'est parfait. Donc là je vais descendre la voiture. L'événement c'est juste derrière moi donc c'est parfait, j'ai vraiment trouvé une très bonne place. Je pense pas que je vais prendre la caméra parce que voilà je suis grave timide et tout de vlogger devant tout le monde, or que je suis grave créatrice de contenu mais voilà j'ai peur quoi. Mais je vais essayer de vlogger au max avec mon téléphone et je sais pas si je vais inclure des gens dans le vlog parce que la majorité des gens ce sera la première fois que je le vois. Et pour une première fois, tu vas pas sortir de la caméra en mode hi hi ha ha, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais voir selon la vibe, comment tout se passe. Et puis voilà quoi.
Bon les gars, j'ai une batterie dans cette caméra, mais tout ça pour vous dire que je reviens de l'événement. Il est 22h15, je suis là-bas depuis 20h. On a reçu un petit goodie bag comme d'habitude. On a reçu la crème mauve. D'ailleurs, cette crème, je ne l'avais pas. Donc, je suis trop contente de l'avoir eue. Également, une petite trousse Sol de Janeiro avec deux brumes, comme ça. En plus, mes préférés. Ainsi que deux mini versions de la crème. Trop bien. La caméra va couper. De toute façon, je vois que j'ai plus de batterie. Je rentre à la maison et peut-être que je vous reprends à la maison, mais rien n'est garanti, les gars. Bye bye! Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lendemain. Hier, quand je suis rentrée en Belgique, j'ai récupéré ma fille chez ma grande sœur. Ensuite, j'ai été récupérer mon colis qui était dans un point de relais. Et ensuite, ben voilà, j'ai profité avec ma fille, j'ai déballé ma valise, mais également ses affaires vu qu'elle est restée chez ma soeur. J'étais vraiment fatiguée, donc j'ai pas vlogué. Mais je me suis dit que j'allais terminer ce vlog avec un petit haul parce que j'ai été récupérer en fait mon colis de chez PLT. Mais d'abord, revenons à l'événement d'hier. J'ai un peu regardé ce que j'ai filmé dans la caméra. Et on voit pas très bien, enfin j'ai tout montré sauf un article. Donc on a reçu ce magnifique sac Sol de Janeiro. On a reçu ce sac, j'ai oublié comment on appelle ça, mais c'est un sac que tu mets ici là, sac banane. Je sais vraiment pas comment on appelle ça, j'ai grave oublié. Et dedans j'ai mis cette crème personnalisée, enfin personnalisée, avec mon nom dessus. J'aime trop cette odeur, c'est une crème que j'ai déjà en grand. Regardez la grosse bouteille que j'ai. J'aime trop l'odeur, franchement, j'aime vraiment trop. Ensuite, on a reçu une trousse comme ça, vous voyez. Et en fait, dans cette trousse, on a deux brumes. Donc le numéro 62 et le numéro 68. Voilà. Mais on a également un petit échantillon de leur conditionneur. Et on a deux petites crèmes, c'est vraiment une mini, c'est vraiment un format tout petit. Donc la crème jaune et le rose clair. Et en fait, ces deux formats-là sont parfaits pour mettre dans la voiture ou soit dans ton sac à main. Et j'ai également reçu cette crème, c'est une que j'ai encore jamais testée. C'est le mauve, la crème mauve. Allez, le packaging mauve parce que la crème en soi n'est pas mauve. Donc celui-ci. Et franchement, j'aime trop l'odeur. Je l'ai déjà senti. Ça sent un peu... ça sent le frais comme ça. On dirait... je sais pas, j'arrive pas à décrire l'odeur, mais j'aime bien. Ça sent hyper bon. Un retour sur l'événement parce que... quand je regardais ce que j'ai filmé, ça me paraît que j'étais grave fatiguée. Mais l'événement s'est quand même bien passé, je trouve. Après, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc aller dans un événement et tout, tralala. Donc, je dois encore m'y habituer. Mais franchement, ça s'est hyper bien passé, je trouve, perso. Ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres créatrices de contenu que je suis sur leurs réseaux sociaux. Mais vous savez que moi, cette année, j'ai envie de vaincre ma timidité. Et en fait, ce truc-là d'avoir toujours peur d'aborder les gens. Et comme j'avais dit dans mon TikTok que j'avais fait quand j'étais partie à un événement, je pense qu'aller à ce genre de choses pourra vraiment m'aider à convaincre, aller à vaincre tout ça. Maintenant, revenons à PLT. En fait, j'avais déjà commencé l'unboxing. Et puis, je me suis dit, en vrai de vrai, je vais terminer mon vlog avec un petit haul. Donc, j'ai reçu deux sacs. En total, il y a 10 articles dedans. Je vais les essayer pour vous. Comme ça, vous voyez un peu. Je vais commencer par ce sac parce que j'ai déjà ouvert et je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont deux vestes que j'ai pris. J'ai pris une trench assez longue parce que j'ai pas de trench coat noir long. J'en ai un en cuir, mais je vais pas toujours porter du cuir en fait, tu vois. Donc j'ai pris un. J'ai pris une veste trench coat noire et une autre, mais plus lourde. De toute façon, vous allez comprendre. Donc ça, c'est la première veste. C'est la trench coat plus lourde. Je l'ai prise en taille 38 parce que je voulais un peu oversize. Regardez la matière. Vous voyez un peu. Ici, il y a des grandes poches.
Hop, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai une veste comme ça. Franchement, j'aime bien parce que j'ai pas de longue veste. En plus, il y a une petite corde ici là pour la fermer. C'est une veste que je vais grave porter. Ensuite, la deuxième veste que j'ai pris, c'est aussi une trench coat, comme je l'ai dit, mais plus printemps. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'aime bien, c'est que les deux vestes sont hyper méga longues. Celle-ci, elle m'arrive au-dessus, juste en bas de ma cheville, et l'autre, elle arrive au-dessus. Tu vois? Donc, c'est vraiment hyper long. Vous voyez? Il y a aussi une corde ici. On a des poches. Franchement, là, ça donne pas parce que, t'as vu, j'ai mon petit peignoir en dessous et tout. Ensuite, dans ce deuxième sac, j'avais pris tout ce qui est vêtements, genre sport. Tu vois, les ensembles de sport, là, que tout le monde porte ces temps-ci parce que j'ai un en vert que j'avais depuis 2022 de chez PLT. La qualité est vraiment top. Et du coup, j'aurais pris la même chose en différentes couleurs. J'ai pris exactement la même taille que... l'ensemble que je possède déjà parce que ça me va parfaitement en fait. L'ensemble est juste trop beau. J'aime trop, franchement. J'aurais pu prendre encore une taille en dessous parce que ici là je vois que c'est un peu grand, mais vas-y, c'est pas grave. Donc ça, c'est le premier set que j'ai pris. Regardez comment il est incroyable. Franchement, moi j'aime trop, hein. J'aime trop. Ensuite, voici le prochain ensemble. D'ailleurs, le précédent, je l'ai pris en taille 36. Celui-ci en taille 36 également. Et le bas, j'aurais pu prendre un 34 parce que, vous voyez quand ça fait comme ça, c'est que c'est grand ici, il y a de l'espace. J'aime pas trop. Bref, je l'ai vu sur Meredith cet ensemble et franchement, je l'aimais trop sur elle. Et donc, je l'ai pris, mais je suis grave dès que le bas, il soit un peu grand. Mais vas-y, c'est PLT ça. Parfois ça taille bien, parfois ça taille un peu bizarre. Ensuite, j'ai pris cet ensemble de jogging en taille M. Déjà, je comprends pas pourquoi c'est pas la même couleur, or que c'est un ensemble en fait. Le pull est beaucoup plus clair que le bas. Pourtant, c'est un gris charbon, le 2. Donc, je ne comprends pas. Et j'ai une tache ici, là. Une tache blanche. Je ne comprends pas d'où ça vient. Ça vient clairement pas de moi. Je suis dégue pour la couleur parce que c'est pas la même couleur. J'ai pris le 2 en taille M parce que je voulais avoir un peu un effet oversize, mais pas de trop non plus. Et franchement, ça rend bien. Donc maintenant, je vais essayer le 2 dernier article. Donc on a un jeans et j'ai pris aussi un legging de yoga. Vous voyez, genre les leggings évasés vers le bas qui est trop tendance. J'ai pris en noir. Je vais commencer par le legging, d'accord? Comme ça, j'essaie avec ce pull. En vrai, le 2, je vais mettre avec ce pull. Voilà. Les gars, le legging est tellement beau, il est tellement confortable, il est trop confortable, je suis vraiment fan, je l'ai pris en taille 36. Il n'est pas si évasé que ça, donc je suis un peu deg pour ça, il n'est pas si évasé comme celui de chez Sienna qui était tendance là, que j'ai pas pu choper parce que c'était en rupture de stock partout. Franchement, je l'aime bien, je vais essayer le jeans et puis je vais clôturer... mon vlog. Le gars, le jeans est trop petit, il fait un pas, pourtant j'ai pris ma taille. Il aurait pu être magnifique, hein. C'est un jeans hyper droit, mais il ferme pas. Donc on va pas forcer l'affaire, il ferme pas. Tant pis, c'est la vie, je vais me rhabiller puis je reviens vers vous. Bon les gars, voilà, je veux clôturer ce vlog ici. J'ai remis le pull de l'ensemble gris parce qu'il est hyper confortable, même si c'est pas la même couleur que le jogging. Bref. Les gars, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. J'ai vraiment fait de mon mieux de vlogger au max. Faut quand même savoir que c'est pas facile pour moi parce que voilà, je suis créatrice de contenu, mère et je travaille également. Donc j'essaie vraiment de trouver le juste milieu, de faire de mon mieux, de vlogger quand je peux. Mais j'essaie également de profiter de mes proches parce que le seul fois où je le vois, ben, je vais pas toujours sortir la caméra, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que le peu que je vloguais vous a quand même plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux. Aussi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!